Nyakpetɔ wɔwɔwo,
Nyakple amekɔkɔewo.
Nyawe kava kuome le kakoposi ya mevena nyase wonya. Si wonto nebe ya klona mila. Wo agbenya. Wo nyanyula si wonto nebe ya tonami amedesia jepeye. Demobe nya gunya fe ti potru wona wonya kokople eti wongo. Ton wo koko kokwede mi. Bene nya te un afo nyasi. Nye gbogbome nududu na nya to mo soso pe ngo yi ple wo nya pe to pa ple nya no ti wo le kristo fe mo na gbogboma ko mo kore si ade si le pe do si ame be ya nye mo fe nu na ni na wo nya la koko gbogbo koko va nye do pe da e me bia wo si ato fi o yesu kristo nya le la fe ko mo amen. Nya kwa petit que que ma unya ole. Manto le Samuel fait agbalé manto. Ta adre so ku pi adre va se le ki ton yas. E veli ale pa ou ka agbalé si wo mo le galaxia to. Galaxia to ku ta le. So ku pi ne va se le adre yas. E ye le ton yale nya nyu la aba ale si ku ka no le. Lu ka ta ve. So ku pi bla to ko e va se le bla to ko e veli yas. Samuel Porto, ta agrè tou koupi adre mase lè ton yasi. E si filisi tou sevena Israel yu, bè tade mis pala. Filisi tou pe amekan ou go de Israel yu. Ke e si Israel yu se la, fofon blo, wole filisi tou. Tete Israel yu prona Samuel bena, me gadi tou koupi de dena yewa, nya ma wola de nya tako. Ne wa demi to filisito o sime. Eye Samuel le alevi, si gale nonu, he sa nume vwe, eye wotodwe, libo na yehoa. Eye Samuel le kuku na yehoa de Israel ta, eye yehoa do kwe. E si Samuel le nume vwe sam la, filisito o hapa, bakubo Israel. Tete yego wa tete se siye de filisito o ti kwe mate. E ye wo toto o abe ales, abe alebe Israel si wo. Israel un tu wo do, wo do to mispa, he ti filisito o yome. E ye wo 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 vasele beka, pe ayuma, pe anibe. E ye Samuel, kok pe ale, do mispa, pe sen do me. Eye wo nan kwebe Ebenezer e blomena a fi ye wo akpele miyamu vaselu. Wo bobo filisito wo le ayu eye to eke mati wo men kava Israel li bandi po o. Eye ye wo akpe asino filisito wo di le Samuel pe akpe men teke wo katame. Galatia tou tane, tou koupi ne vasele akreliazi. Ke esi azan kwe lo vola, ma wudoyen to fiyalo la, eye nyon mwane di, eye wodi de selate, bene wakè fe de ame si wole, se ak te lata, bene vinye nye langa sou nyasi. Ke esi nye nye vi wo konti la, ma wudoy fiyalo koko, si le ridombe, Abba fofo la, dode mi akwe di ome, e yata, me gaye tou vi o, ke bon fi nenye, ke nenye vi la, ke ne enye vi la, e ke mama upe do meni la ha nenye de Christ ome. Luka tave, toku kwi, plave vante, vasele plato vante yati. Eye esi wo wu wo pe unti kokwe, unti koklo unti ke a wo nula, le mo se pe se la nula. Wo tue i Yerusalem pe, wa tue ado apeton vume. Abe ale si wo mwen, di le apeton pe se la me, e le vena. A tu si a tu si vuto nula, wa yo e a kokwe na apeton la.
wana mumeme ape alesi wo glole ape ton fesela me ebe bena akpata ebe alo akonevi ebe. Eye kwada, ame adele Yerusalem si nko enye Simeon, ame si a enye ame jodjo eple, ma mumeme si le Israel pe akofafa lala, eye kwa kwele, eye amati, eye kwa kwela di siye ebe na, mais les coupes hafu après la pétrisse au cou. Et y'a wole, wopola me. Va ma moukwa me. Et y'a esi di la wou yide, et me ple de vi yesu. Bena wa wone, le esela pe kwa nula. Et y'a han kwe, de efe abo wotoube. Et y'a wukafu ma wukwe blo bena. Apeto, azon, et deux mots au dollar, les outils femmes, les wognalas, elle avait la bien court, pas au coco, si les dragons les pauvres catins ont pu. Quelqu'un y peigne à l'éléphia, la trosse voilà où, plein au tout quoi, ils avaient plein de coco. Wogna, et n'y a qu'à l'inan n'y a pas à faux, plein de l'inan n'y a pas de peu. Amen. Nous allons écouter les mêmes lectures en français. Le premier texte, extrait du premier livre de Samuel, chapitre 7, les versets 7 à 13. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom d'Ebenezer, en disant, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secours. » Ainsi, les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Le deuxième texte vient de Galates, de l'épître de Paul aux Galates, chapitre 4, les versets 4 à 7. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption filiale. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier du fait de Dieu. Le troisième et dernier texte vient de l'Évangile selon Luc, chapitre 2, les versets 22 à 32. Quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem
pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta parole. Amen. » Avant la prédication, nous chantons le cantique 413, dit-on de venir fossiles. Aditi, à la fin de la nuit, il est en lien.
pitié de Dieu. Yesu o maupe domenila. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne, et il l'appela du nom de Bénézer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et Bénézer, a fille roi, une belle parole pour cette circonstance qui nous réunit en ces dernières minutes ou dernières heures de l'année 2007. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il faut savoir jusqu'où l'Éternel t'a porté, jusqu'où l'Éternel t'a secouru, mon frère, ma sœur, pour pouvoir avancer. C'est déjà l'expression d'une reconnaissance pour la miséricorde, la grâce et la protection du Seigneur, malgré les secousses de différents ordres qui ont menacé notre barque pendant cette année 2017 qui s'achève. Ebénézer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'était ici, actuellement, ce que tu es au bénéfice de cette grâce-là, que tu peux dire, jusqu'ici, il m'a accompagné. Bon, demain, on ne sait pas de quoi c'est fait. Et que promet demain? Que promet l'année prochaine? Que promet l'avenir? Nous n'en savons rien. Nul ne sait, sinon lui seul. Toutefois, la parole qui t'est adressée cette nuit est celle qui fait le thème de cette soirée, le thème « Jésus fait de toi héritier de Dieu ». Bien réconfortant. Moi, héritier, toi, héritier, nous, héritier de Dieu. C'est merveilleux. Cette nuit, la voix me dit, à moi qui me sens très éloigné de Dieu parfois, ou Dieu très éloigné de moi parce qu'il est trop saint pour qu'il puisse m'approcher ou que je puisse l'approcher. Je m'entends dire qu'il a fait de moi son héritier à travers Jésus-Christ. C'est une bénédiction. Quelle bénédiction! Mais, passé ce temps d'émotion, ce temps de surprise, je me demande qu'est-ce que j'entends par être héritier? Et en quoi consiste cet héritage? Héritage. L'héritage, c'est ce que l'on tient de ses parents, des générations précédentes. C'est ce qui est transmis de génération en génération, l'héritage. Ça peut être matériel, ça peut être aussi au niveau de la foi, de la croyance, ou même, ça peut être génétique ou héréditaire. On dit parfois, mais t'as les yeux de ta maman. Ah oui. Il y a quelque chose qui est transmis là. Ah oui, mais... Ah oui, qui a hérité cette maladie de tes parents? Les drépanocytaires. Il y a d'autres aussi, l'hypertension. Tu l'as hérité de tes parents? Ah oui, c'est un héritage. Ou bien, mais, ceux qui ont des talents de musicien là, quand tu vois un peu dans la famille, l'arrière-grand-père, le grand-père, voilà, ça se transmet. Voilà. Il y a quelque chose dans la famille qui est hérédité, voilà, qui se transmet. Oui, c'est un héritage. Et puis, hériter, c'est recueillir. Un héritage, c'est recueillir quelque chose qui m'est transmis. Et je suis héritier. C'est juste que je suis une personne qui est appelée de droit à recueillir une succession. Personne, c'est la personne qui hérite des biens d'une personne souvent décédée. Mais on peut être héritier potentiel. Et on les plaint quand la personne décède, quand les parents décèdent. A priori, c'est les enfants qui sont héritiers. On attend un héritier. Parce qu'on voit tout ce qu'on a et puis on ne sait pas là où ça passera.
on a chanté un peu tout à l'heure, oui, on attend l'héritier. Et souvent, c'est au décès des parents qu'on entre en possession de l'héritage. Et juste là, on est potentiellement héritier. Il y a des héritiers qui ne verront jamais rien, qui n'auront jamais rien. Parce que c'est passé quelque part. Il y a certains qui l'ont appelé, qui l'ont chopé au passage, et qui est héritier, mais ben, à la fin, t'as rien. De même qu'il y a des héritages qui enrichissent, et de même, il y en a qui sont lourds de conséquences, qui sont source de conflits et de dislocation de la famille. Il y a des héritages pour lesquels aussi il faut trouver des héritiers parce qu'on n'en a pas. Il n'y en a pas. Et il faut aller chercher. Et ça me rappelle une émission qu'on avait suivie à la télé il y a quelques années concernant un Togolais qui est décédé ici. Il était. Depuis qu'il a quitté le Togo, des décennies, il n'est jamais retourné ici, au Togo. Jamais, jamais, jamais. Il n'avait plus de famille non plus. Et à son décès, on a trouvé qu'il avait sur ses comptes. Un dépôt, et on essaie à qui donner. Et finalement, bon, mais il y a des avocats qui sont dans cette recherche-là pour trouver l'héritier. Et ils sont fouillés jusqu'à se retrouver à moins peu quelque part, là, pas loin de Lomé, dans un village. Et cet avocat blanc arrive de nuit, et on parle du gars, ce gars-là, on s'en rappelle, il est parti, non. Mais qui sont les familles les plus pauvres, on va chercher des cousins, des oncles, nanana. Et puis voilà, le loto. Ils deviennent héritiers d'un gars qui n'ont pratiquement plus jamais vu, certains n'ont jamais connu. Et c'est le loto. Il y a des héritages, il faut chercher. Et il faut chercher l'héritier. Et voilà. Mais voilà que la Bible dit que Jésus fait de nous des héritiers de Dieu. En principe, c'est un sujet d'allégresse et de joie. Ce faisant, il réduit la distance entre Dieu et nous. Et ainsi, change les relations entre Dieu et nous. De serviteurs ou d'esclaves, il fait de nous des enfants par adoption, et donc héritiers et co-héritiers du Christ, comme l'écrit l'apôtre Paul. Faire d'un serviteur un enfant par adoption peut passer. Mais en plus héritier, cela peut être sujet de discorde, tant dans le couple peut-être, un sujet de gros conflit avec les enfants de sang. Si jamais ces derniers sont cupides, égoïstes, vaniteux. C'est des situations qui arrivent assez souvent dans une fratrie. Ou encore s'il y a un autrui qui a été adopté au passage. Dans l'Ancien Testament, Dieu fait des promesses à Abraham qui deviendront ou bien d'où découleront des héritages. Et le passage de l'évangile de Luc, tout à l'heure lu, où on présentait Jésus au temple, après le temps de purification de sa mère, ce passage nous renvoie à la promesse faite par Dieu à Abraham, et d'une descendance et d'une terre. De la descendance, il s'agira finalement d'Ismaël et d'Isaac, ces deux fils d'Abraham, qui deviendront les pères des Arabes et des Hébreux. L'un, Ismaël, père des Arabes, et Isaac, le père des Hébreux. Et de la terre, ce sera celle de la Palestine, qui sera source de conflits jusqu'à nos jours. Dieu l'a promis. Conflit enflammé par ce dernier fameux décret de Donald Trump. Ils ont hérité de la terre, tous hérités de cette terre, et finalement, faisant un amalgame entre la dimension spirituelle, religieuse et politique de la chose, ça va entraîner la guerre et la violence sur une terre qu'on peut partager. Une terre donnée pour y vivre en harmonie et dans la paix, pour ainsi rayonner de l'amour de Dieu.
C'est dire que l'héritage peut devenir source de guerre, de conflit, si les héritiers, par cupidité, vanité, par esprit de domination, font une interprétation erronée de la volonté de leur ascendant. Et si le soubassement de cet héritage n'est pas l'amour du prochain, on finit par la violence, la guerre, la séparation. Mais ici, pour nous, aujourd'hui, c'est l'héritier, le Fils unique, qui fait le lien entre Dieu et nous. Dans le cas qui nous est présenté, c'est par lui que tout passe, le Fils même, l'unique. C'est par lui que tout passe. C'est lui qui partage avec ses frères et sœurs. C'est ce qui fait l'extraordinaire de la situation. C'est Jésus, c'est par Jésus que Dieu fait de nous héritiers. Siméon voit à la naissance de Jésus une naissance attendue depuis des millénaires. La naissance de l'héritier de Dieu. En même temps, héritier de David, comme on l'appelle. L'héritier de David, l'héritier du trône de David. Alors que le royaume à l'époque était sous domination romaine. Le royaume était divisé, disloqué après le règne de Salomon. Un royaume en péril. C'est en ce moment-là qu'il arrive, l'héritier. C'est pourquoi l'Esprit révèle Jésus comme le sauveur qui vient restaurer l'Emmanuel, le prince de l'amour, le prince de la paix. Une tâche pas du tout facile. Nous savons comment cela évoluera pour lui. C'est bien dans la violence, dans la souffrance, dans le sang versé. Mais une telle violence n'a pu sonner la fin de cette histoire fondée sur l'amour. Malgré la violence, le projet de Dieu a continué. C'est dans la confiance et l'espérance que Siméon voit en effet cet enfant qui va tout changer, le sauveur, la lumière, la gloire. Il voit tout ça en cet enfant qui tenait entre ses mains. Un enfant porteur d'un héritage d'amour inconditionnel. Jésus. C'est à la fois le plus simple et le plus complexe, le plus difficile et le plus délicat des héritages. C'est plus compliqué que l'héritage matériel, être héritier d'un amour inconditionnel. C'est plus compliqué que l'héritage matériel, parce que c'est facile à dilapider pour ce qui est matériel, c'est facile à sacrifier aussi pour acquérir du matériel. Et Moïse a été un cas très positif dans cela, pour nous dire que c'est facile, mais il faut tenir bon. Et Moïse, à un certain moment, finira par rejeter la famille dans laquelle il a été élevé, fils de Pharaon, petit-fils de Pharaon, par adoption, il dira non, et va s'opposer ouvertement à Pharaon, va défier Pharaon. Il dit, je veux être aux côtés de mon peuple en souffrance. Et il renie tout ce qui est matériel, toute la richesse matérielle et passagère. Donc, il avait droit comme héritier ou fils, petit-fils de Pharaon. Ah, on l'a chanté tout à l'heure. Il faut nous, regarde-moi. Mais regarde-moi, c'est avec ça qu'on nous achète aujourd'hui. On peut tout acheter avec regarde-moi aujourd'hui. Tout. À même le beau, à mon père, au dos, allez, tout a changé. C'est pourquoi être héritier de l'amour inconditionnel et porteur de ce projet d'amour est beaucoup plus difficile que d'être héritier de ce qui est matériel, parce que tu l'as déjà. Jésus, par son passage, a pleinement accompli la mission d'amour pour nous montrer que Dieu tient sa promesse de salut et que nulle violence, même si elle entraîne la mort,
ne peut entraver le projet de Dieu pour l'humanité. C'est ainsi que par sa venue, Jésus a créé la passerelle entre Dieu et les hommes, en faisant de nous héritiers, donc héritiers de l'amour. Il nous passe la main pour que la mission de témoignage puisse continuer, car matériellement, Jésus n'avait pas grand-chose matériellement. Il n'avait que son cœur et il n'avait que cette mission à accomplir et il nous associe à cette mission. Et si nous évoluons, nous évaluons comment ça s'est passé pour Jésus lui-même, on dirait plutôt qu'à la place d'un héritage joyeux auquel on pourrait s'attendre dans cette annonce d'être héritier, on pourrait dire que Jésus ne nous aurait-il pas laissé plutôt une lourde dette de souffrance en héritage. Jésus ne nous aurait pas laissé une lourde dette de souffrance en héritage. Il nous a promis la gloire. Et si l'on pense que c'est seulement la joie, la paix et l'amour qui viennent automatiquement, on se trompe, car la gloire en Christ passe souvent par la galère. L'héritier de Dieu, donc prince du Très-Haut, est vraiment à l'opposé des princes de ce monde qui roulent en Rolls-Royce, qui sont dans le paraître, alors que nous sommes appelés en tant qu'héritiers, héritiers de Dieu, à ne pas paraître, mais à être. À être l'incarnation de l'amour. Il n'y a pas de vrai amour qui ne passe pas par la souffrance ou qui ne fasse souffrir. Toute la souffrance que la joie, tant la souffrance que la joie, sont dans l'être, dans l'essence même de l'amour. Tant la souffrance que la joie sont dans l'essence de l'amour. C'est ce que nous a révélé le Christ. Chers amis, vu l'état de notre monde et nos situations personnelles, arrivons-nous encore à adresser réellement de réels chants de gloire à notre Créateur ou est-ce nos seules lamentations et gémissements qui prennent tout l'espace de la louange? Ça reste une question. C'est vrai que nous souffrons et parfois de trop. Et parfois gratuitement, du fait d'autres hommes, de leur vanité, de leur cupidité, de leur égoïsme, nous souffrons. Et c'est scandaleux. Comment arriver à combattre ces systèmes matériels, politiques et financiers avec pour seul âme l'amour? Comment y arriver? Ce serait de l'utopie. Mais ceci reste un défi pour nous-mêmes et pour Dieu. Comment arriver à entrer en réelle possession de notre héritage d'amour? Nous avons un atout, et ce seul atout, c'est que notre Père, lui, il est éternel. Il ne peut mourir, puisque généralement c'est après la mort qu'on a dans l'héritage. Lui ne peut mourir afin que nous puissions entrer en possession de notre héritage. Il est là. Nous sommes héritiers d'un Père vivant. Un Père prêt à nous accompagner, à nous montrer le chemin pour parvenir à nous approprier cet héritage. Il nous appelle à nous revêtir pour ce chemin-là. Il nous appelle à nous revêtir avant tout d'humilité devant lui et en revenant à lui. Comme le fit le peuple d'Israël. Samuel leur dit, vous n'avez plus rien d'autre chose à faire. Hein? Revenez à Dieu. À nous revêtir d'humilité, à nous revêtir d'espérance, à l'image de Siméon qui porte toute son espérance sur cet enfant. Il n'a encore rien vu, il n'a qu'un enfant. Mais il dit, je peux partir parce que moi j'ai tout vu. Ça c'est l'espérance. Et l'espérance en Christ ne trompe pas, dit la parole. Il nous faut nous revêtir aussi de la confiance. Car c'est vrai que tout est sombre autour de nous, mais il y a un autre. Tout est sombre. Ça paraît sombre. Mais il faut de la confiance en mettant Dieu en premier.
En soumettant nos petits dieux, ces petits dieux faits de sagesse humaine, de philosophie, de stratégie, de fruits de notre seule intelligence humaine, ces petits dieux, les soumettre à la sagesse divine, à la lumière divine, les éclairer à la lumière divine. Une telle confiance se construit dans la prière. Arrêtons de théâtraliser notre relation à Dieu. Ce n'est pas du théâtre. Arrêtons de théâtraliser notre relation à Dieu pour réellement revenir à lui et lui faire confiance pour qu'il nous inspire, pour qu'il inspire nos projets et nos actions. Sachant que ce que l'Esprit propose peut parfois paraître absurde et insensé. Mais c'est par là que ça se joue, même si ça paraît insensé à notre intelligence. Dieu est plus intelligent que nous. Devant l'attaque des Philistins, dans ce qu'on a lu, le peuple d'Israël n'a eu d'autre solution que de demander à Samuel de prier Dieu pour eux. Ils avaient peur. Quelle aberration! Mais c'est ce qui a marché. Car la prière agissante du juste a une grande efficace, écrit l'apôtre Paul. La confiance éloigne de nous la peur. C'est vrai que la vie, partout de nos jours, ne peut être comparée à un doux fleuve tranquille. Notre vie est comme un bateau secoué par les ouragans, d'où la peur au quotidien. Cependant, tout le message de Noël, c'est « n'ayez pas peur ». Que ce soit Zacharie pour l'annonce de Jean, l'arrivée de Jean, que ce soit Marie pour l'annonce de l'arrivée de Jésus, que ce soit au berger pour l'annoncer que Jésus est arrivé, l'ange Gabriel a toujours dit « n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». Le message de Noël, c'est n'ayez pas peur, puisqu'à l'époque, les gens avaient tellement peur de tout, que même le message du salut qui leur est annoncé par l'ange Gabriel était un sujet de panique. Tant pour Zacharie, que pour Marie, que pour les bergers. On avait peur, mais confiance, dit l'ange. La confiance en Dieu défie les forces du mal et de la peur qui tiennent le monde en otage et dans l'obscurité. Pour les défier, exprimons notre reconnaissance pour ce que nous avons de beau. Parce qu'avec toute cette noirceur-là, on ne voit même plus ce qu'il y a de beau dans notre monde. Et c'est ce qu'il y a de beau qui peut nous permettre de rebondir. Adressons notre exprimons notre reconnaissance pour ce qu'il y a de beau, nous avons encore de beau. Car il y en a de beau, du beau dans la création de Dieu aujourd'hui. Parce que Dieu gouverne tout quand même. Notre héritage dans la foi est à la fois très riche, mais paraît très lourd à assumer. Nous ne pourrons en témoigner qu'en faisant confiance en celui qui nous a fait héritier de son royaume d'amour, que nous sommes appelés à construire au jour le jour, déjà sur la terre, avant d'en connaître la plénitude de l'homme venu. Cependant, sachant que ce qui peut paraître comme source de souffrance, et source et de pauvreté peut laisser transpirer ou laisser transparaître une belle richesse si nous l'abordons avec les yeux du cœur et de l'esprit, comme le dit si bien Saint-Exupéry, le petit prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible aux yeux. Alors si nous abordons le monde avec les yeux du cœur, nous y verrons du beau. En témoigne cette petite histoire entre un père et son fils, et c'est avec ça que je vais m'arrêter, entre un père et son fils, que j'intitulerai le regard d'un prince sur un monde qui paraît pauvre. Le regard d'un prince sur un monde qui paraît pauvre. Un jour, un homme riche, vivant dans une métropole avec sa famille, amène son jeune fils en voyage dans un village. Il voulait lui montrer comment certaines personnes vivent peuvent être pauvres et n'ont pour héritage que la pauvreté.
Il passe du temps dans une campagne, dans les champs d'une famille très pauvre. À leur retour du voyage, le père demande à son fils, mais comment tu as trouvé le voyage? Il dit, c'était merveilleux, c'était intéressant. Répond le fils, qu'as-tu appris de ce voyage? Demande le père. Et le fils lui répond, mais j'ai appris plein de choses. D'abord, nous avons un gros chien. Eux, ils ont quatre petits chiens dans leur campagne là-bas. Nous avons une piscine. Eux, ils ont un fleuve. Nous achetons de la nourriture pour manger. Eux, ils cultivent leur nourriture. Ils ont leur jardin et leur potager. Nous avons des lumières électriques. Eux, ils ont des étoiles. Ça fait tellement loin qu'on peut voir les étoiles et les admirer. Eux, ils ont les étoiles. Et nous avons des clôtures pour nous protéger. Eux, ils ont des amis qu'ils visitent et qui les visitent. Nous avons la télé. Eux, ils passent du temps en famille. Nous avons le monde entier, toute la richesse du monde. Et eux, ils ont Dieu. Ils prient Dieu. Le père du garçon était surpris de la manière dont son fils parlait et de sa prise de conscience de la situation. Et le fils de rajouter, ben, merci papa de m'avoir permis de découvrir combien nous sommes pauvres. Ce qu'on peut attirer de cette histoire, ce n'est pas la richesse matérielle, l'argent qui nous rend riches. C'est tout simplement l'amour, la compassion, l'amitié, les valeurs, la famille et notre relation à Dieu qui nous rend notre vie riche. C'est cela, notre héritage en Christ. Toi, mon frère, toi, ma sœur, héritier de l'amour, fais prospérer ton héritage en le partageant autour de toi. Amen.